Bonjour et bienvenue à tous pour ce Flash Info. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Moi de même. Nous voilà repartis pour une nouvelle saison de TVGR. Et sans plus attendre, nos super reporters sont partis chez Autre Chose à Warren. Autre Chose ? Oui, c'est un magasin où l'on vend des jeux, des livres et même des figurines. Super ça ! Alors en route pour ce reportage. Que peut-on trouver dans votre magasin ? Donc deux choses, principalement donc des livres pour les adultes, des livres pour les enfants, des livres pour les ados. Une partie livres et une partie plutôt jeux jouets, donc des jeux société pour jouer en famille, des jeux pour jouer tout seul et des jouets de construction pour les enfants, pour même les tout petits, les bébés de 0 à 3 ans. Donc voilà, vraiment de tout ce qui est jeux, jouets et littérature. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? J'aime lire surtout tout ce qui est BD par exemple, tout ce qui est livres, j'aime jouer aux jeux de société, et donc c'est vraiment des choses que j'aime bien, que j'aime travailler, des choses que j'aime découvrir et j'aime faire partager cette passion justement à mes clients que je vois dans mon magasin. Quelles sont les difficultés dans votre travail ? Alors, les difficultés, c'est qu'il faut travailler le samedi, par exemple. Donc, c'est le week-end et pas forcément important de travailler. On préfère faire la fête le vendredi. Ou alors, pendant les fêtes, on travaille beaucoup, beaucoup. C'est aussi beaucoup de choses différentes à faire. C'est l'aménagement, c'est parfois faire le ménage, c'est ranger les livres. Alors, il y a des parties plus sympas comme les lire et jouer aux jeux de société. Mais parfois, il faut vraiment faire beaucoup de travail de rangement, d'aménagement, d'organisation. Quelles sont vos heures d'ouverture ? Alors on est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Et donc il n'y a pas de pause au temps de midi, c'est de 10h à 18h en continu. Quel est votre jeu préféré ? Mon jeu préféré. Alors pour l'instant, c'est un nouveau jeu qui est sorti l'année passée, ça s'appelle Bunny Kingdom. C'est un jeu où on est des lapins et on doit conquérir le monde. Quel est le jeu le plus vendu ? Alors le jeu le plus vendu en l'année passée, donc en 2017, c'était Bazar Bizarre. C'est un petit jeu de rapidité, je ne sais pas si tu connais. Ouais, c'est un jeu de rapidité, il faut attraper l'objet le plus vite possible avant les autres joueurs. Et c'est le jeu qui a été le plus vendu sur l'année. Pourquoi avez-vous choisi un avion comme logo ? Alors l'avion comme logo, ça remonte au tout début, donc il y a 20 ans quand mes parents ont créé le magasin. En fait, mon oncle, donc le frère de mon père, avait fait un avion en bois pour un événement, un grand avion peint en jaune et rouge. Il n'avait plus l'utilité et il a proposé de donner l'avion pour mettre comme enseigne au-dessus du magasin qui était encore à l'époque dans notre maison. Et ils ont pris l'avion parce qu'ils aimaient bien, il était beau, il était un peu comme un jouet et on a gardé ce logo depuis maintenant plus de 20 ans. Merci. De rien. Waouh, c'était génial! Merci de votre fidélité et à très vite pour un nouveau Flash Info. À vous le studio! Au revoir!